السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mon frère, please share le tout mon passe, si tu n'as pas. Le tout mon page. أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة مائدة آيات 51 أبوتي آيات 51. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم
يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين Ben Frick, bien sûr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu qui lui fait de nous l'occasion pour nous étudier le Coran, livre Allah, plus grand miracle qui fait descendre le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Côté sa Coran, depuis le premier ayah après Sourah Fatiha, quand Allah dit Alif Lam Mim, Dharik al-Kitab ou la Raïba Fi, il n'y a aucun doute dans sa livre-là, ce qui nous parle lié là. C'est-à-dire, Allah, puis on veut faire nous comprendre qu'il, comme s'il dirait, nous peut signer un contrat avant nous commence la lecture du Coran, qui est Dharik al-Kitab, ce qui nous parle lié là, ça, sa livre-là, la Raïba Fi, puis il n'y a aucun doute là-dedans. La raïb, peine de doute. Fihi hudal lil nas, fi dharik al kitab ou la raïb fi hudal lil muttaqin. Un guide pour Banjimun qui n'a taqwa. Alors Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il a envie qui, mal musulman, alors, je comprends qu'il s'allie, que je te piallie là, hein, qui peine de doute. Qui y a un guide, peine un doute là-dedans, et il y a un guide pour un moutarine, ou bien peine un doute qui là-dedans dans sa livre là, et une guidance pour un moutarine. Et le mot moutari, un celui qui n'a pas quoi, veut dire un celui qui lui met en pratique, man l'ode Allah et l'ode Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
ben l'aude Allah et l'aude Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux types de l'aude. Une qualité l'aude pour obliger faire, une qualité l'aude pour pas faire. Ce qui est obligé faire, c'est ce qu'on appelle faraz ou ajib, et pour pas faire, appelle ça haram. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous qui ce livre-là, ben dis-moi qui je ne comprends qui m'obliger un taqwa pour m'obliger un jannah. Alors ce livre-là, il y a un guide pour vous. Et il y a un guide pour tout le monde aussi, ya yohannas, quand ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. Alors, livre-là, il descend pour l'humanité en entier, et plus particulièrement pour ban qui n'a iman, et plus particulièrement, il y a un guide pour ban qui n'a taqwa. C'est ça, ban qui n'a taqwa là, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ban qui amène iman, le ghaib, wa yuqimuna as-salat. Et ils ont établi la salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, et ils ont fait nafaqa, ça veut dire, ils ont payé, ils ont donné en aumône, en charité, ni capable charité obligatoire, zakat, ou bien pas obligatoire, sadaqa, hein, alors, à l'un d'un zut, à l'autre d'un. Alors, dans sa livre, depuis le commencement, sa Coran est un guide. Dans l'ayat Coran, qui descend plusieurs fois, nous mentionner, nous pour rester mentionner, nous pour continuer mentionner jusqu'à nos mots, qui Allah subhanahu wa ta'ala, dans Ramadan, ayat qui cause le Ramadan, les films mettent là-dedans, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, Coran il descend dans le mois de Ramadan. Après, Hudal linnasi wa bayinati min al-huda wal furqan. Une guidance pour l'humanité en entier. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Coran, il y a une guidance pour l'humanité en entier. Il y a une clarification là-dedans. Alors, nous musulmans, sa ummat là, dans sa halat de désonir que généralement nous pouvons vivre, à part d'une exception que peine à désonner, mais général, status, c'est désonner Allah subhanahu wa ta'ala. Allah plonge nous dans désonner. Pareil comme il plonge ban Yahoud dans désonner. Pareil comme il plonge de ban Nasara de coller Allah. Et aussi ban Yahoud, parce qu'il fait, parce qu'ils n'ont pas adopté ce livre qui Allah descend vers eux comme une source de guidance pour eux amener la vie de la terre, pour eux réaliser raison qui Allah met nous dans la terre. Raison qui Allah met nous dans la terre. C'est une vision de la terre. Et ça besoin dirige toute une stratégie qui nous fait dans la vie. Alors là-dedans, il y a salat, il y a rosa, il y a hajj, il y a zakat, il y a mans halal, pas deal avec l'intérêt, et n'a man 12 et man don'ts. Alors, pas vine révolter contre man regulation qui allait mettre dans sa dîne. Et sa dîne qui zis sa dîne et sa mode de vie qui est accepté contre Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit inna dîne indallahi al-islam. C'est zis à l'islam. Et sous, contre référence, contre nous apprendre concernant l'islam, c'est dans le Coran et dans le Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allô, mon frère, bien sûr. Le Coran est obligé et une priorité dans la vie tous les jours. Il y a qu'il est au bout de la pour faire tilawat, pour faire tadabour en même temps pour comprendre qu'il y a Allah qui adresse avec vous. Alors, ça est important. Alors, ça va être le Coran qui me lit aujourd'hui dans nos leçons, sur 5, verset 51 jusqu'à verset 57. Alors Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire au ban qui n'a iman n'a pas adopté ban juif et ban chrétien comme ban allié. Alors là on va pour cause d'eau là. Moi pour expliquer ça c'est là moi pour vous faire tafsir ayat Quran qui me lire ayat Quran qui me lire moi choisir ban ayat Quran que moi peux demander qui l'assistance ban mon frère, mon soeur, je t'arrête qui Allah, alaykoum salam, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans ce ayat. Mais c'est moi là-dedans, Allah dit, فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ. Tu vous trouves, ban, qui les autres, les qui est malade, maladie, les qui est. يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. Je te précipite vers les juifs et les chrétiens. يَقُولُونَ. Quand je vous dis, qui fait te perdre, ben, là, l'empêche nous, prends eux comme alliés. Narcha an tousui bana daira. Nous payons attention qui bana fait man plan, je tue nous, je te mets embargo l'onu, je t'empêche nous progresser, je t'empêche nous développer, je tue nous. Alors, à cause ça qui nous perd faire ça nous. Nous pas envie de prendre comme camarade nous. C'est moi à cause ça raison là.
Alors Allah subhanahu wa ta'ala me finit de montrer dans le Coran qui s'abanne, qui vous servit, ça m'a une excuse là pour désobéir à l'autre qui est dans Surah 5, verset 51, qui est de l'équipe et dans la maladie. Aïe, moi je me trouvais. Il y a quelque chose qui est très, 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 très grave qui me passait hier. L'eau, ça, au mat là, c'est normalisation, relation avec Israël. Et moi, je dis non, c'est officialisation de relations existées depuis longtemps. Officialisation, ça veut dire mettre l'eau à la table, à dire, carré, carré. Et guetter ceux qui parlent d'accord, guetter qui dit vous faire, qui nous vous faire. Qui s'en a qui pouvait interférer dans sa décision là, et qui s'en a qui pour arrêter sa décision là. C'est pas moi, tout ça là, pas important. Pour vous dire, autres, qui quitte chose, deux points importants dans cet événement de normalisation de relations avec, avec ban invaders, c'est pas ban non-musulmans. Non-musulmans, tout le temps, il a traité. Même avec l'ennemi, Allah capable de traiter. Ici, c'est un problème que Bandimoun qui peut venir pour qu'aucun laté et musulman. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui l'a gué et l'imo. Sahabila dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais si mon père l'a gué, on dit pour dire en peste, pour en peste, ni qu'aucun mot laté, mon mot, Rasul j'ai été shahid. Et Rasul dit, l'a gué, on dit, si mon faible, l'a gué, on dit, mais si mon faible, les tuer toi, tu viens shahid. Seulement soumettre à un voleur, un invader qui vient coquin de la terre, ça ne trouve dans din Allah, dans aucun madhab pas existé, ça dans l'islam, pas existé. D'accord? Alors, pour moi, le point initial, c'est un bandimoun invini, il rentre dans la case, mette-moi Dieu, il prend la case pour moi. Quand on paye la guerre, je t'appelle moi terroriste. Ça veut dire que quand il appelle lui terroriste, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de faire ce qu'il m'a envie avec lui. Et moi, pour gagner un agent, un employé de un mounafiqin pour venir défendre sa position là, qui non, mais si tu es faible, tu n'as pas le droit à la guerre. Pourtant, le hadith dit, tu es faible de la guerre, tu mort, tu es un shahid. Tu es un shahid. Mais tu n'as pas le droit en tant qu'un humain, awalen, en premier, ou bien en tant qu'un musulman, qui est un dimoun venu pour prendre l'argent, pour prendre pour attaquer ta famille, pour prendre la terre, tu dis, mais moi, faible, pas le droit ça. Pas gain droit, peine d'andine ça. Parce que d'andine, peine à ça dans la loi internationale, peut dire un dimoun qui, ben n'a pas vu de coquer sur la terre, il besoin la guerre, il besoin défendre ça, appelle les autres, ben qui peut faire confrontation contre ben invaders. Ben qui peut faire l'opposition contre ben dimoun qui peut coquer la terre. Peut venir coquer l'argent, mon jardin, mon business, mon cultivation. C'est un ar, c'est un la honte pour Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas le Coran pour accepter qu'il y ait une partie de sa communauté là. L'ennemi Allah peut venir sur la case, prend sur la case, mettre l'idéo qu'il vient si pour ça l'ennemi Allah là. C'est un la honte et c'est un plus grand déshonneur. Et ça a montré halat Ummat en général, moi peux dire, à part d'une exception. Alors, ça qui est important pour comprendre, qui veut dire Palestine, qui veut dire ban Palestinien, qui veut dire ban qui fait payer la guerre, qui fait besoin de la guerre et je peux continuer la guerre, parce qu'il fait un ban invader, une vine pour prendre la terre, mais Dieu dit, à ce quand ban la guerre, appelle Dieu terroriste. Ça, c'est point numéro un qui va nous en même comprendre. Et dans Maurice, et dans le monde, et dans ban agent de ban Tawarit, et de man oppresseur, et de man mounafiqin, qui sont venus pour dire oui, vraiment, c'est man terroriste. Seulement, bon, comment je décore le bonbon pour dire que l'on avale, ça, il y a beaucoup de systèmes qui vont faire, pas ça qui nous laissons. Pas ça qui nous réflexion, qui nous peut faire avant de rentrer dans nous laissons. Nous laissons, peut dire, un man musulman peut rester dans une place. Ben l'ennemi vini, Thierry prend sur la case. Quand il rôde la guerre, appelle les terroristes, et là, nous gagne ben agent pour sell the idea. Pour market and sell the idea, que oui, ça maintenant c'est ben terroriste. Et il met sa man djimoun là, parmi ben la liste de ben association terroriste qui est dans le monde. Ben organisation terroriste qui est dans le monde. Quand il y a la guerre, pour gagner sur la case. Et nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à sa sahaba là, Rasoul, qui est arrivé, y'a Rasoul, c'est arrivé, un djimoun est venu pour dire coquin, mon la terre, mon l'argent. La géoli. Le son dit la géoli. Je dis, mais si je ne pas la géoli, je dis, mais si tu es mort, tu es shahid. Mais pour soumettre à un dimoun qui peut rentrer dans la case,
ni prend mon madame, ni prend mes enfants, ni prend mon argent, ni prend mon la case, ça, c'est pas existé dans l'islam. Il n'est pas même existé dans la loi jahiliya de l'ONU. Il n'est pas existé. Les reconnaître, l'ONU reconnaît ça m'a dit mon palestinien comme man qui peut fight pour la terre, le droit. Et zot la case, de zot terrain, de zot terrain. Mais ce qui est souffrant, plus souffrant, c'est pas qu'aucun sa la terre là. Plus souffrant pour moi, moi je peux dire mon opinion, c'est quand man dit mon peut venir faire marketing et peut sell the idea qui oui, ça man qui peut défendre zot la terre, et zot l'argent, et zot l'honneur, et zot famille, c'est man terroriste. Ça c'est point numéro un dans l'événement de officialisation de la non, de la normalisation de la relation avec l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas Astiella qui peut dire non, là peut mettre la table carré carré et en même temps peut dire ce qui pas d'accord qu'est-ce qu'il y en a pour faire. Nous ne finissons pas ce qu'il y en a pour faire. Deuxième point important. Ministre country minister de Emirat lui dit officiellement il peut faire une conférence, il dit qu'il nous ne faisons ça pour qu'il n'y ait pas conti qu'aucun attire. Mais bon, at least, je ne désire qu'aucun 60%, 70% attire, mais nous protégeons 30% toujours. Ça, c'est ce qui, sa marketing de la raison qui fait une annonce normalisation de ban relation avec ban l'ennemi Allah, ban oppressé, ban invaders. Je vais appeler un mot créole, comment on appelle ça maintenant, je vais appeler un mot là, je vais prendre un jour, aide-moi. Qui nous dit, ben là, peut dire officiellement, nous ne faisons ça à cause pour empêcher de continuer qu'aucun attire. Ça veut dire, il fait un dealing, il normalise relation bilatérale avec Israël, qui fait à cause pour nous empêcher de continuer qu'aucun. Dans le même temps que sa ministre peut dire ça, un président d'Amérique et premier ministre Israël, en même temps, peut faire conférence de presse, dire, nous pas mettre. Pour qu'on y prend la terre là, nous pas discuter ça, et nous freeze ça idea là, et freezing veut pas dire cancel. En même temps, les vignes peuvent dire ça, ils peuvent dire, quand ça n'a pas peut dire, nous ne faisons ça soi-disant pour arrêter coquin. En même temps, Netanyahu qui peut dire, nous freeze the idea, et lui dit et tout, I mean, freezing veut pas dire cancel, nous pour continuer prendre la terre là. Si ça dépend de la envie de Jésus, ce qui peut traverser dans sa normalisation de relation entre. Ça va un pays qui ne fait normalisation. D'accord? Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, première affaire, première petite chose, c'est qu'Allah pardonne nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit pardonne nous. Parce que c'est nous ban guna, c'est nous ban dhunoub, c'est nous ban péché. Quand nous éloignons avec Allah subhanahu wa ta'ala, jala jalaluhu, en tant qu'un individu, en tant qu'une société, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand nous éloignons avec din Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalla, vous pouvez dire ça massacre que du monde peut faire côté kabar là. Ça, un autre point, je vous désolé de ça point là, avant de rendre dans mon leçon là. Là, laisse-moi finir là, donc il nous besoin de demander avec Allah, qu'Allah retourne nous ummat vers din Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah pardonne nous. Qui nous, en tant qu'une famille musulmane, chacun parmi nous, nous font partie d'un safina. Rasul sallam, il fait comparaison de sa ummat là avec un bateau et nous tous dans sa bateau là quand il pour couler nous tous pour couler ensemble et quand il pour arriver à bon port nous tous pour arriver à bon port alors nous tous nous dans sa bateau là alors vu qu'il nous dans sa bateau là imaginez qui nous PC individuel nous PC qui nous famille faire alors c'est une madame une couille manger des bizarres mettre photo là le Facebook li tu peux pas faire business là tu peux faire publicité. T'as tout la case une couille manger. En tout cas, envie que ma zone là, j'ai tort comme ça, Marie bon, dit bon. Zoli, faut tout manger là, bon. C'est un peu bien, attends, tu vas te mettre ça sur Facebook. L'exemple, mon pays de nous autres, mon pays de nous autres, l'exemple. Vous pas qu'à comprendre, une madame, lui mette main dit de son armée, alors, les palais get so figure, censé dire dans Dini, lui montre six bouts de l'armée là, comment dire. Qui t'a plus envie, ben là, dire Marie Zoli, qui t'a plus envie? Qui dit que t'as envie de vivre? Alors, moi, ce qui me pose question, nous faisons Taoba, nous retournons vers Allah en tant qu'un individu, en tant que la famille, en tant qu'une communauté. En tant qu'une société, en tant qu'une pays musulman, et en tant qu'une ummat, nous faisons droit avec Allah, nous retournons vers Allah, nous trappons sur din faux. Si ça dit là qui peut accepter contre Allah, si ça mode de vie là qui peut accepter contre Allah subhanahu wa ta'ala, nous tout faisons péché, nous tenons manquement, alors nous faisons tort. Sinon, il est pour trop tort. Je te connais qui veut dire un petit mot, nous rentre dans la case, prends ou met tout dit ou il prend ou la case.
Hein? Ça plus grave ou ça déluit d'une famille dans... Ça plus grave dans nous... Dans nous... Ça plus grave dans nos bon, événements quotidiens ou ça déluit d'une famille? Je me pose une question. Ça plus grave ou ça déluit d'une famille? Un dimoun rentre dans la case, tous les jours ça peut arriver. Dans le moment qui ban moussalman, il y a un tracas pour couper CV à cause de lui d'infamé, pas ban erreur administrative, gouvernement d'un pays, quand je peux gagner ce tracas là, ça l'est là, l'ennemi Allah, Israël, peut rentrer dans la case moussalman, puis mes yeux pour prendre la case. Rentre dans cette cultivation, coupe tous les pieds d'olive. C'est détruire l'économie, détruire les finances, la force. Trappe aux mains enfants, tout y est, batté, fais-le devenir handicapé. Qui veut faire ça ou quoi? Ou quoi, l'objectif là, c'est ces enfants-là? L'objectif là, c'est empêcher sa confrontation naturelle qu'elle a mettée dans une sanac pour lui continuer, pour être capable de faire ce que j'ai envie. Et oh, avec nous, l'hygiène, nous pouvons ça entier le monde, aujourd'hui. C'est moi, tout peut passer tranquille. Dès que tu veux commenter de l'huile, dès que tu veux commenter le football, mais ça c'est halat nos communautés. Mon papa dit, nous pas besoin d'aider pour empêcher de l'huile split. Mais ça c'est une correction, appelle ça dans management. Nous besoin d'aider qui corrective majeure, nous besoin prend et qui préventive majeure, besoin prend quand il y a un scandale, n'importe qui a été scandale social, scandale sexuel, scandale politique, scandale économique, scandale environnement. Quand il y a un scandale là, il y a une affaire qui appelle correction. Ça veut dire corriger et là, c'est là, en place là, tiède de l'huile. Après, on a fait appel corrective majeuse. Après, on a fait appel préventive majeuse. Qui côté? Un exemple, moi, Dieu, bombe inéclaté, ammonium nitrate inéclaté dans le Lebanon. Est-ce qui? Je ne sais pas, connu, moi. Par exemple, dans Maurice, il y a un ban qui en sauce, ban warehouses, je ne finis issue, un préventive majeure. Pour aller guetter, faire un. Comment tu appelles ça? Pas connu un mot créole là, mais pas connu. Faire comment appeler? Comment je t'appelle ça? Faire une vérification de tout mon warehouse qui contient un ammonium nitrate. Et mettre procédure, comment vous allez stocker ammonium nitrate? Et mettre procédure qui fait ça ammonium nitrate là. Mais si nous pas faire ça, là, il faut nous aussi, Jimmy, je te connais qui troisième fois que ammonium nitrate est éclaté dans sa centenaire là, troisième fois. Et la place, il ne mot pas 5000 tout. Là, il descend, c'est pas 170 il mot dans Libanon. Allô, mon frère, bien sûr. Nous retournons vers Dine, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu. Un survey, mais bon, pas tu peux dire survey, tu peux dire dans mon warehouse là, nous faire un. Avant nous faire budget, avant nous faire. Nous faire le six semester, finance semester, nous faire un kitty. Comment vous appelez ça? De store. Ou bien non, aller avec survey, pas grave. Ok? Alors, ça, c'est. Troisième affaire, pour aujourd'hui. L'État nous guette ce que sa communauté-là peut faire contre le Kabar. Je repose la question encore. À chaque fois qu'il nous gagne une catastrophe de ban célébration religieuse, ibada, qui ban musulman fait contre le Kabar, première réponse qui nous gagne, ça Ahmad Razakhan. Le nom vini, Ahmad Razakhan, pas de faire. Bon, pas qu'on est qui fait, besoin de dire Ahmad Razakhan. Qui fait nous pas dire, Rasoul Sassam, il n'y a pas besoin de faire. Qui fait nous pas dire, Ahmad Razakhan, il y a 150 ans, c'est pas 200 ans, c'est pas 180 bananes. Bon, pas qu'on est combien bananes, l'île dans l'aine. Première réponse, ben défendu, vini dire, Ahmad Razakhan, il n'y a pas gain droit. Oh, Ahmad Razakhan, il n'y a pas gain droit qui dîne. Ou ça Rasoul Sassam, il n'y a pas gain droit qui dîne. Allez, pas fait non, Ahmad Razakhan, j'ai pas rien droit. Moi, ma question, qui fait un du monde là, peut faire sa célébration là, dans sa place là, je ne vais pas faire dans place Y, je vais faire dans place Z, qui fait inventer, exactement. Alors, qui fait qui peut faire sa célébration là, comme ça là, on tout là, qui fait sa célébration, sa fête de santé dans ces là, peut faire lui côté Darga. Parce qui, un ban du monde, il expliquait qu'il y a un droit à mon Darga. Au moment où on donne gain droit à mon darga, à ce dire qui activité fait là-bas, tout le monde contrôle ça. Par contre, si tout le monde dans sa kabarastan là, si est enterré d'après sunna de nos habib sallallahu alayhi wa sallam, tout y paraît, pas tu connais, pas tu écrit l'écriture, ni en a l'écriture, ni en a bâtiment, ni en a bear, ni en a mob, pas tu en a qui tu peux arriver?
Man di moun pati pou vin fè célébration de sa man place là. Man di moun pati pou vin fè célébration. Au moment nous fin désobéir à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous fin instituer ban bâtiment et ban darga lo ban kabar de man di moun ki. Je dis à Pieu, pas qu'on est que ça n'a, dis à Allah qui connaît que ça n'a qui Pieu. Allô? Quand il finit faire ça, aujourd'hui, quand il peut faire shirk, peut exagérer, peut danser, là, la musique, ban idolâtre, ban polythéiste, ban mouchrik. Hein? Pour mes affaires qui nous disent, pas nous ça. C'est là qui montre ça. Qui l'éducation amène vers sa output, là, vous connaissez? Dans management encore, et dans les affaires appelées input, et dans les affaires appelées process, après les affaires appelées output. Qui input, qui l'éducation, et qui procédure, il amène vers l'existence de Darga, ensuite célébration de Darga. Vini en public, dire pas gagne droit mon Darga, pas gagne droit faire non contre Darga. Vini, amène une campagne contre ça. Lela nous causer. Non! Mais l'éducation, on peut dire Ibn Hibban, et by vini, il apprend 25 bananes. Li Hafiz Quran, li Maulana, li Alim, li Mufti. Li vini qui dit, Ibn Hibban, quand tu peux gagner un problème, tu vas à côté de Kabar, tu vas dire man doit. Alors, tu as dit l'éducation? De l'éducation montrer Jimoun, de l'éducation peut montrer Moussalman quand tu as un problème, al kot kabar te diman doa. Même te peux diman si ça avec Allah, c'est man Allah ba. Mais quand tu montres Allah ba, azodi, pour lui diman si ça avec Allah, dimeli pour diman avec sa Jimoun qui dans kabar la là. Tu es responsable pour Allah. Parce qu'il nous rassoule, il n'en pèse sa action là. Alors nous désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous désobéir à parole de ban quatre imams. Ensuite, quand du monde peut révolter, peut célébrer, peut faire festival dans Kabbalistan, quand ban Kabbal, première réponse qui vous dit, nous ne pouvons pas dire ça, nous ne disons pas gagner droit, nous nous disons, Ahmad Raza Khan dit ça, Dehelouin dit ça, Fulani dit ça. Ah bon? Mais est-ce qu'il ne t'a pas assisé, t'a pas fait une réunion? Qui quitte chose qui permine vers sa action-là? Qui l'éducation? Qui est-ce qui l'éducation amène vers ça? Est-ce que l'éducation de Diobandi, il amène du monde à le demander à Kot Kabbal? Al faire fête Kot Kabbal? L'éducation Tawhid, il fait du monde, al faire fête Kot Kabbal? C'est là sur l'éducation, ça. Alors, nous faisons un traitement avec le raison, cause principale, Kot Dimoun, al faire célébration Kot Kabbal. Dans la place qui vous pouvez la guerre, le code pour mettre la main, dire Amin, pas dire Amin, mettre bonnet, pas mettre bonnet, la guerre contre le fondamental qui nous ressoule, il finit sur la vie, dans l'enseigne sur la communauté, et le conseil qui est fini de donner, dans la dernière semaine avant l'équipe de Dunia y aller, tout ça va le conseiller la majorité, et la relation avec Kabar. Et la relation avec Kabar. Célébration contre Kabar. Établir Ibadat contre Kabar. Adopter Ban Kabar comme place de festivité. Ça même qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a empêché parmi Ban pli important conseil qu'il donne sur Oumad avant l'équipe de Dunia y aller. En Djimoun vini, lui prouver qu'il y a un droit monde d'Arga. En l'autre vini, lui prouver, bizarre côté Kabar de Mandoua. Hein, quand il finit de montrer ça, quand Djimoun maintenant peut faire fête à ce qui te dit, pas nous ça, non, toi même ça. Alors nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala retourne sa Oumad là. Vedin qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ban sahaba en vivent et qui Allah li guide nous, li pardonne tout ban musulman, même ban qui préfère et pas péconi, et ou ça je te connais aussi, Allah pardonne tout ban musulman et Allah fait nous mots avec nous iman et le sunnah de nos habib sallallahu alayhi wa sallam. Clair? C'est-à-dire numéro 1, nous dealing avec Coran, est-ce qui nous improve nos relations qui nous aident avec Coran? Numéro 2, Israël. Mon esprit, j'ai deux points là-dedans. N, concernant terroriste. Et numéro 2, concernant qui nous fait raison qu'ils ont fait sa normalisation, là, soi-disant. Et en même temps qu'ils ont fait dire pour qui ben, n'a pas coquin la terre de Western Banks. En même temps qu'ils ont fait dire ça, là-bas, Netanyahou peut dire non, menti. Moi, je ne dis pas dire sa question là, à ce terre-là, mais seulement, je ne pas désister et je ne pas pour. Fait aucune concession, là ça, l'idée de prendre Western Bank ça. Il peut dire ça en même temps tout. Il dit, on freeze the idea, and freezing doesn't mean to cancel the idea, officiellement. Donc, on peut aussi dire ça, Netanyahu aussi dit ça. Et ça démentit, parole qui ministère, Imarat Pédia. Troisième concernant, Kabbalistan, alors qui Allah subhanahu wa ta'ala protège. Dans les sons passés, semaine passée, nous pas motivé les sons, nous pas une cause de l'histoire de Moussa alayhi salam, ça vient avant.
qui aide nous pas faire les sons. Alors, trois semaines de cela, les sons que nous faisons, qui Moussa alayhi salam, après qu'il s'agit d'un conseiller qui, Pharaon, les fait rassembler ce man au gradé, c'est un man au gradé qui travaille, tu vois. Man au gradé là, c'est un différent shape. Il est capable d'en forme de man government officers, il est capable d'en forme de man religious officers. Pour travailler, pour man tawarit, pour man oppresser le salatier là, pour man tyran, pour défendre eux, pour faire du monde content eux, pour faire du monde pas trouver eux atrocité. Il y a un agent, dans Maurice, il y a un agent, dans le monde, partout, il y a un agent. Ce qui pas les trouver, il arrive de 2020, à l'ancien sur les qui est ça. Alors, là-bas aussi, pareil, Pharaon, il tient son haut gradé religieux, son haut gradé de ce gouvernement. Alors, quand maintenant fini, je ne tombe d'accord pour le rôle de Moussa alayhi salam, ça advise, il fallait quitter. Moussa alayhi salam, il quitte. Là, moi, tu causes le hijra, qui hijra veut dire un dimoun. Il est sorti d'une place qui peine, un darul kufr, veut dire qu'il gouverne par système jahiliya, l'ignorant. Et l'autre côté, il y a une place qui est dirigée par système Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un dimoun, il est sorti là, il y a là-bas, ça appelle sa hijra. Et un autre hijra dans le Coran avec Sunna, comment il est arrivé pour sa. Personne qui finit tuer 99 personnes, non? Quand il finit tuer 100 personnes, quand il joint sa alim Rabbani, sa alim qui proche avec Allah, il finit conseiller pour toi dans une place côté d'un mandjumun pieux, de vivre parmi eux, ça c'est une forme de hijra aussi qui est là. Nous avons une autre forme de hijra, côté d'un mandjumun qui est persécuté, qui est tué, qui n'est pas capable de faire face, qui n'est pas dominé, qui n'est pas capable de place côté parmi les musulmans, surtout, côté qui capable de travailler. Ça c'est une hijra qui existait. Là, il y a une hijra très importante pour nous l'époque. Le Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, moi je dis à ce hadith là, je peux remind you, leçon qui t'y fait trois semaines de cela, dans Sahih Muslim, le Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il dit Badiru bil a'mal. Al mubadara veut dire un djimoun, il est proactif. C'est-à-dire pas attendre quand. Corona fout un problème, là la djimoun fait ibadet. Pas attendre quand nous gagnons la sécheresse, là on a fait tauba. Pas attendre quand nous gagnons une inondation, là on a fait. Non, soyez proactif. Proactif veut dire un djimoun qui dans good season, l'icône Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour qu'on nous demande situation de difficulté. Alors, qui nous connaît faveur Allah, qui nous connaît nous rab, qui nous remercie nous rab, qui nous fait ibadet nous rab, quand nous en bonne santé, quand nous dans bonne situation, alors Allah subhanahu wa ta'ala li pour avec nous dans un moment de difficulté. Alors Rasoul sallam dit badiru al-mubadara veut dire précipitez-vous, veut dire soyez proactive, faites ibadet. Qui fait fitanan qat'a al-layl al-mudhlim. Alors pour une man fitna qui vous venir, pareil comme un marée noir la nuit que pena la lumière, pena les étoiles, pena la lune. يصبح الرجل فيه مؤمنا عند يمون بوليفي غاماتا avec iman et quand on arrive dans l'après-midi il perd son iman ou bien dans l'après-midi il point iman quand on arrive غاماتا il perd son iman et quand on cause perd iman ça veut dire que sa personne là comprend bien il pour commettre une action qui fait lui perdre son iman عند يمون qui boit l'alcool pas perdre son iman pas perdre son iman عند son iman faible عند يمون qui en sait pas couvert. Il n'a pas perdu son iman, mais il y a un iman qui fait, il peut faire péché. Un djimoun boit l'alcool, il n'a pas perdu son iman, mais seulement il peut faire grand péché. Un djimoun n'est pas occupé de son maman, il dit d'une difficulté son maman, il n'est pas prend compte son maman, ça c'est un djimoun qui peut faire grand péché. Un djimoun, il tue un djimoun, il peut faire grand péché, mais seulement il n'a pas perdu son iman. Alors quand hadith la cause perdu iman, ça veut dire là pour une test concernant véracité. Ou bien véracité nous iman, ou bien nous peut badiner, nous peut jouer, nous peut iman. Pour qu'il nous peut adiner. Et un test, une action parfaitement perdu mon iman diminue. Et une action qu'on nous fait, nous perdons nos iman. Par exemple, un exemple d'une action, quand un djimoun capable de perdre son iman. Un djimoun son papa est mort. D'une quitte deux garçons avec deux filles. Mais ça fait héritage, mais ça partage, mais ça partage. L'héritage de sa mission là. Alors, comment l'héritage a été? Réussir tout one. Mon garçon gagne deux, ma fille gagne un.
si fille pas d'accord, mon pas d'accord, mon bizarre gagné, il a mis une caisse la cour, maintenant explique lui din, explique lui fini comprendre, je din pas din, moi mon pas reconnaît din, moi mon bizarre pareil comme maintenant et il a mis une caisse dans la cour. Ça si fille là sous situation très très grave. Là il peut révolter contre une législation divine qui a l'un fini décider deux contre un. Tu veux garder là? Une situation dangereuse. Un démon avec conscience, les résets de sunna, peine à sunna, mais c'est ce Coran. Ça dit, mon ami, il y a du iman. Bon, ça c'est ce règlement, appelle ça ce règlement, ce hukum. C'est même pour dire, dit mon ami, kafir, appelle ça fait takfir, là appelle ça implementation of the rule. Ça c'est une autre situation. Faire différence entre the ruling and the implementation of the ruling. Un démon, il dit, Abdul Qadir Jinani al-Madad. C'est quoi au moins? Il peut demander un doigt avec un djimoun qui doit barzak qui ne mou. Ça, djimoun là, il peut faire doigt avec un autre apport Allah, c'est shirk. Il peut demander un doigt avec un autre apport Allah, c'est shirk. C'est moi, est-ce qu'il nous peut dire kafir mouchrik? Non, nous pas peut dire kafir mouchrik. Ça, si nous dire, appelle ça le jugement. Et la loi, le régulation, le ruling, avec un, c'est implementation of the ruling, appelle ça judgment. Judgment, nous va pas faire. D'accord? Je trouvais. Alors, Allah subhanahu sa hadith là, littéralement sévère peut montrer qui quiconque c'était fitna pour une qui mange vous pouvez dire iman si vite. Grammaire il pour une iman, tantôt il vous pouvez dire ce iman. Très. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on s'explique. Astier, dans un moment de fitna là, maman peut envie cause hijra là. Une forme de hijra qui, deux formes de hijra qui est importante dans nous la vie, quand nous pas peut cause sa hijra sorti dans. Une place qui est gouvernée par la loi humaine, pour aller d'une place qui est gouvernée par la loi Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Arrête là. Deux formes de hijra en plus. Première forme, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de Sahih Muslim. Il dit Al-ibadatu fil haraji ka hijrati ilayya. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un moment qui a beaucoup fitna. Quand fitna il a augmenté, quand un djimoun il fait ibadat beaucoup dans cette époque-là, il paraît, comment dire, il peut faire hijra vers moi. Alors, ça il est appliqué dans une situation qui, dans place qui nous perdit les temps, demande les temps qui nous pas fait travail, nous pas dans l'école, nous pas, nous seuls, qui nous restent dans ibadat, et quand nous restons dans ibadat, dans un moment de fitna, il paraît, comment nous faire hijra vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une forme de hijra qui n'est pas pareil comment le forme de hijra qui sort d'une place à une place. Numéro 2, Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lui dit Al-Muhajir. Al-Muhajir, c'est celui qui fait hijra. Man hajara sayyi'at. C'est celui qui quitte ban mauvais action. Alors, quand un djimoun, il peut quitter ban mauvais action, c'est un djimoun qui peut faire hijra. C'est un djimoun qui peut faire hijra. Et sa hijra, c'est-à-dire qu'il peut rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Jala jalalu. Et dans notre riwayat, il dit Innal muhajira man hajara ma nahallahu an. Un muhajir, parce qu'un muhajir se récompense énorme dans le Coran. Un muhajir, a'zamu darajatan 'inda Allah, les plus grandes récompenses, énormes récompenses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut ouvrir compréhension de hijra, pareil comme le compréhension de djihad, il pas juste la guerre avec hommes. Ici aussi, pareil, le hijra, c'est pas juste quitter une place à une autre place. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ici, il peut envie qu'il se oumad comprend bien qu'il hijra là, man hajara as-sayyi'at, c'est lui qui délaisse sayyi'at, ou bien man hajara ma nahallahu an. C'est lui qui les délaisse man petite chose que Allah subhanahu wa ta'ala in empêché, c'est un djimoun qui peut faire hijra. Ensuite, wal muslim man salim al muslimuna min lisan wa yadi, dans sa même haditha, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un musulman, c'est celui qui est un musulman senti en paix et que sur la langue ou bien sur l'ami. Qui qualité ce hadith là? Al muslimu. Un musulman, man salim al muslimuna min lisani wa yadi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit un musulman, c'est celui qui est un musulman. Dans mon absence, moi en paix, et que sur la bouche, et que sur l'armée. Ça veut dire qu'il n'y a pas fait moi dit ni avec sur la bouche, ni avec sur l'armée. Subhanallah. Et il y a dit ce travail même fait dit au musulman, et que sur la bouche, et que sur l'armée. Ce travail même ça. Et les musulmans tout. Alors nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fait nous gagner sa qualité
de ces deux formes de hijra, quand Allah de nous tawfiq pour nous délaisser man quelque chose qui Allah a empêché, et Rasoul sallallahu alayhi définitivement, y compris là-dedans, et deuxième, qui nous fait ibadat beaucoup dans le moment de fitna, c'est ibadat là pour protéger nous la case, et pour protéger nous ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça explication de hijra, c'est venu qui fait, quand Moussa alayhi sallam, l'inquitte l'endroit de Pharaon pour y aller vers Madian, côté l'endroit de Shu'aib alayhi salam. Ensuite, il arrive dans Madian, nous finissons à prendre là quand il arrive dans Madian. 45 minutes déjà. Quand il arrive dans Madian là-bas, il trouve sa des madame là, à un côté Benjamin pe à Souqia, je peux donner de l'eau à ces animaux. Alors il trouve deux madame, deux autres qui n'arrivent pas. Attention, il arrive qui te problème, attention, manen battre, attention, manen pousser. Alors, ce qui fait, c'est que je ne vais pas donner de bois. Et je vais demander, je dis non, mais nous attendons que Michel a fini. Léa qui nous donne à boire parce que nos papas, les vieux, ne pas pouvoir faire sa devoir, sa travail là, comme ça nous pouvons faire. Alors, sur Moussa, les salams, nous agissons. Elles ont fait les humaines. Elles ont fait les humaines. Vous pouvez me passer le chemin où une vieille madame peut trapper des sacs, pas capable de sortir. Elle n'est pas capable de sortir des sacs là. Mais nous devons donner un petit coup de main. Mais nous devons dire qu'une religion, qu'une dîme qui est là, un insan dans la difficulté, un musulman qui aide lui. Un musulman qui comprend, il aide lui. Un musulman qui comprend, il trouve un rose au milieu de lui, il avance lui. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui ne m'a pas fait rire dans Bukhari ou bien dans Muslim, dans sa douleur, il ne m'a pas fait rire, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, concernant un dîmoun qui avance un piquant le chemin, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala il remet à chez lui, Allah subhanahu wa ta'ala il met dans le jannah. Faghafara lahu wa shakara lahu wa adkhalahu al jannah. Concernant ça, un dîmoun qui tire un dito, un piquant le chemin que l'insan peut traverser. Ça c'est un musulman, c'est un insan. Et récompense qu'il a gagné, Allah pardonne. Allah remercie lui, Allah met dans le jannah. Ça, c'est une qualité qui montrait valeur nous digne. Qui montrait valeur nous digne. Nous, musulmans. Personne de tous les contraires. Je prends saleté, je suis comme mon voisin. Je finis, coupe mes animaux, je prends tout, je suis aussi. Mais ça, c'est qualité qui nous peut trouver. Ça, c'est qualité qui nous peut trouver. Et qualité qui vient enseigner dans l'île. Une autre qualité, mais quand tu as adopté à l'islam comme tu dis, quand un kabar pour pose toi question, ma dit nous qui te dit de bouger à l'islam, malaga de nous mortu de la tête, à l'islam tu te dis, toi, ton transaction tu d'après à l'islam, ton mariage tu d'après à l'islam, ton l'ennemité tu d'après à l'islam, ton allié tu d'après à l'islam, ton business tu d'après à l'islam, ton laka tu d'après à l'islam, ton mariage tu d'après à l'islam, ton kabarastan tu d'après l'islam, ton doua qui tu peux faire tu d'après l'islam, ton namaz tu peux faire d'après l'islam, ton rosa tu d'après l'islam, ton hajj tu d'après l'islam, ton ban relation bilatérale tu d'après l'islam, ton ban l'ennemité tu d'après l'islam, ton système l'économie tu d'après l'islam, ton système civil social tu d'après l'islam. Mais comment tu peux répondre d'un kabar à l'islam? Comment tu peux répondre ça? Quand tu as l'opportunité à faire. Et pourtant, dans un jour, dans un seul, dans 24 heures, qui fois 5 fois, 6 fois, et là pour répéter sa doua, Radhuitu billahi rabban. Il y a 6 occasions, exactement, 4 occasions à peu près, plus que 5, 6 occasions par jour, dans 24 heures, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous dans différentes occasions, quand nous pour répéter sa parole, Radhuitu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi muhammadin nabiyan wa rasoulah. Je suis satisfait avec Allah comme mon Rab, avec l'Islam comme mon Dîn, et avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme mon Nabi, comme mon Rasoul, comme mon modèle. Fais-nous répéter ça qui fait. Si mon frère, mon soeur qui peut écouter moi en disant suivre certains cours de management, vous pouvez trouver qui, manager quand on finit de décider aux visions, ou vous mettez aux visions devant vous, quand tu dormis, ou mettez que tu assises ou manger. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire l'impact. Le visuel et le cerveau, parce qu'une fois qu'il descend de conscience et subconscience, où l'écho pour commencer à travailler pour sa vision. Nous nous disons, l'infini explique ça 1435 bananes avant, qui récite sa parole là plusieurs fois par jour. Rendu qu'Azan donnait de réciter,
quand tu as levé grand matin, tu as récité. Quand tu as dormi, tu as récité. C'est lui qui dit Raduitu billahi rabban, mo satisfait avec Allah comme mon rab, wa bil islam dinan, avec l'islam comme mon mode de vie, comme mon modèle, pour m'amener mon avis sur la terre, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasoula. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme mon nabi, comme mon rasoul, comme mon modèle, alors, wajabat lahul janna. Janna vin obligatoire. Mais il faudrait nous vivre. Ça ne veut pas dire qu'il nous met dans manquement. Comprendre les affaires. Puis dans manquement, pas exister, tout le temps fini dans manquement. Compréhension qu'il m'a adopté Allah comme mon rab, l'islam comme mon mode de vie, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme mon modèle. Ensuite, nous pouvons l'examen. Quand on finit comprendre ça, c'est-à-dire, nous pouvons faire l'examen de nous la vie, l'examen de nos iman, l'examen de nos ibadet, l'examen de nos transactions, l'examen de nos caractères. Chacun parmi nous, les besoins sont Excel sheet, qui côté qui mon iman pas pareil comment à l'islam avec mon rasoul, qui côté mon ibadet pas pareil avec l'islam avec mon rasoul, qui côté mon caractère, mon akhlaq pas pareil avec ce qui est l'islam avec rasoul financier, qui côté mon transaction qui mon peut faire, n'est pas pareil qui ce qui l'islam peut dire et ce qui mon rasoul peut dire. Quand on finit qu'on est, côté dans mon manquement, moi demande à Allah doit pardon, on demande à Allah doit les renforcements, on demande à Allah l'aide pour qui lui faire moitié ça mon manquement. Quand on trouve moi na 5 lo 10 dans iman, 7 lo 10 dans ibadat, 6 lo 10 dans akhlaq, moi na 4 lo 10 dans transaction, mon fait ses efforts pour demander Allah protège-moi contre ban achieve marks, ban muktasabat, ban qui me désapper mettre en pratique. Moi demande Allah doit tini noir ferme, moi pas sortir moi mettre tout le monde dans jahannam. Non, moi demande Allah doit qu'il tini noir ferme, ban qui chose qui me désapper faire et moi demande Allah l'aide pour mettre en pratique ban manquement qui nous. C'est pour ça que les marfouds, les résédés, qui un musulman disent un autre musulman. Marfoud, pas rien d'autre qui vient. Parce que tu ne pas qu'on soit halat, sa faiblesse qui te peut trouver visuelle, il y en a là, il est capable de 5 points faux. Qui toi, tu es un autre pays là. Quand tu es un autre du monde, il est faux loin de quelque chose. Capable de une faiblesse, tu peux faire les vins wali, toi. Il est capable de une faiblesse que tu ne pas connais, toi. Allah, tu sais le qui connaît. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de juger. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de faire auto-purification. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de dire à un djimoun, toi, tu es un wali Allah, toi. Parce que c'est Allah qui connaît. Huwa a'lamu biman ittaqa. Quran, il dit, c'est Allah qui connaît. Qu'est-ce qu'il y a dans ta quoi? Quran peut dire ça. Et pour un djimoun, il vient un wali Allah, il faudrait qu'il y ait ta quoi? Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. De ce fait de man wali Allah. Man qui n'a pas d'iman, et je t'ai n'a taqwa. Et quand il y a n'a taqwa, ça veut dire qu'il y a un wali Allah avec sa iman. Non, non. À ce Coran, dans Surah Qamar, il dit Fala tuzakku anfusakum, ne vous auto-purifiez pas, pas fait tazki à votre propre nafs, huwa a'lamu biman ittaqa, c'est Allah qui connaît que c'est un qui pieux, que c'est un qui est là. Oui, nous capables de trouver un athar, nous trouver un effet, un impact de piété. Mais seulement nous pas capables d'un certificat de piété. Mais l'oki base une monde d'arga. L'oki base une monde d'arga. Bougla tient gros la barbe de monde d'arga. Moi, mon père Jésus, beaucoup de mes élèves, de mes certains, mes pires, dans Maurice, qui sa pire là, l'enseigne sur mes élèves, qui, moi, mon pas fait namaz, mon pas nécessaire fait namaz, mon pas fait oiseau, mon père n'a pas fait oiseau, non. Non, mon pas encore vu Maurice là, non, non. Naïm, on va encore venir Maurice. Là, il y a une procédure. Là. Pas encore une décision finale. Pas encore décision finale, pas encore, mais il y a presque 90% sûr qu'il m'a retourné. Quand on m'a retourné là, il y a beaucoup de procédures parce qu'après 22 ans, il y a beaucoup de procédures attachées. Il y a une procédure d'après la loi, une procédure d'après immigration. En plus, après, apporte la case, apporte des affaires. Besoin fixé, beaucoup qui sont besoin fixés, restaurant aussi. Alors, il y a presque 90% Inch'Allah qui m'ont retourné. Nous tous, moi et mes enfants, amen tout. Mais combien de jours, quand, tout ça n'a pas encore fixé. Et est-ce qu'il est définitif pas encore fixé, Inch'Allah? Je vais vous une nouvelle, Inch'Allah. Mon encore dans ma dîner. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu. Moussa, finalement, m'aurait retourné qui Moussa alayhi salam. Il trouve là. Alors il pose d'autres questions. Moi, tu commences par là. Qui fait les autres pédés boutons de côté, les autres qui n'arrivent pas. Je suis là, qui te caisse, il va demander parce qu'il nous a fait naturel. Un jour, il va me dire ou peut rouler, ou toi, les enfants, aussi. Mais bon, il y a un piège aussi qui m'a fatra, il mettait pour qu'on arrête ou guetter, mais seulement pas capable qu'ils enfants là. S'il fallait arrêter,
téléphone la police, j'ai dit nous avons des enfants au chemin, si pas contacter un dimoun qui respire, mais c'est moi pas capable de venir un dimoun qui peine aucun souci concernant une petite chose qui est reliée à la nature humaine. Pas capable. Et là, qui mon site hadith, c'est lui qui avance piquant le chemin. Ça avance piquant, ça. Mais c'est lui qui met piquant, là, qui est arrivé. Ah, c'est lui qui dit, il donne cela à terre. Et que cela, Jean, l'ennemi Allah, qui peut servir sa bonne ressource, là, pour faire dit aux musulmans. Ah, ça, vous venez dire, comme ça, un ben agent employé, vient pour défendre sa qualité situation, là. Allô, ben frère, ben sûr. Allô, Moussa, les salam, finalement, il donne de l'eau. Quand il finit de l'eau, il est extra fin. Allô, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala du'a pour y manger. Ce qui m'a un tafsir, il dit. Ça m'a un petit village qu'on retourne à ce terre. Qu'est-ce que vous faire? Comprends bien. D'un côté, terbiya, il est important. Ça, petit village, quand il rentre la case, à Zodi, il tordi, il est obligatoire pour y expliquer ce papa qui fait mon tordi. Sans ni cause menti. Ou bien, Satifilé, il rentre la case. Et il y a un cadeau avec lui. Les bisins expliquent ce papa, ce cadeau-là, dans la classe, à Zodi, moi, tu connais quelque chose, mon par contre, il dit, caché, il t'en rentre, rentrer. Par contre, il est sorti, cadeau, par contre, il est sorti, qui fait un tordé, il est rentré, ferme la porte, il est dormi. Quand sa Satifilé retourne là-bas, je n'explique ce papa qui est arrivé. Quand je suis ce papa, ce papa, il dit, je vais bien appeler ça du monde là, mais il me dit, qui est arrivé, qui s'en lance à la côte, qui est sorti, qui est arrivé. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Faja'athu ihdahuma, un parmi ces deux-là, tamshi ala istihya. Nous pouvons terminer sur le sabout là. L'ipémorcé avec istihya. Istihya, c'est avec la honte. Ban mufassirin, il tombe d'accord, même Omar radiallahu anhu, qui s'attif, il a quand l'ipémorcé, et n'a pas une condition de son morcé. La ilaha illallah. Dans ce morcé, il y a une condition. Je vais prendre un hadith pour appuyer ça là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li diya, ou comme قال, Iza kharajatil mar'atu yastashrifha shaytan. Qui veut dire ça, ou comme قال, M. Sallam, hadith là, m'obé, mais meaning hadith là, qui, quand une madame li sorti de sur la case, shaytan embellit li. La ilaha illallah. À moins, nous sorti, nous pas laisser ça embellissement là, ou bien nous sorti, nous laissons ça embellissement là, ça veut dire nous possible avec shaytan de travail là. Quand une madame sorti, shaytan embellit, ça veut dire, madame là, li ka pa pe pran kont sou li pied, li pa pe ka komye fa ou tou ban madame petite photo pe montre ou madame la nouvelle sou la me aura pe paret ka pe monte li pied pe paret si pa an dan pan maintenant yen si pa forme l'écho pe paret si pa silhouette l'écho pe paret. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam 1435 ban ane de cela il dit idha kharajat il mar'atu wa kama qala Rasoul sallam yastashrifha ash-shaytan, comme madame la sorti de sur la cage, shaytan embellit li. Ici, quand ça tifi là, les fins viennent pour appeler Moussa al-Sam, qui est mon papa, puis appelle toi, dire, t'amchi al-estihya, les pémorcés avec estihya. Estihya veut dire, pena zes là-dedans, pena. Ben, je finis de comprendre qu'il m'a peut redire, moi, par contre, man mot créole, t'en aimes pas dire un mot, anam, j'ai ça, ben, là, liseuse. Ça veut dire, les papés morcés d'une façon pour faire attirer qui ken, les papés. Et l'in couvert sur figure avec son armée, moi j'ai dit bébé sur figure, moi j'ai pour pas trop sur figure. Ou bien avec un petit bout de solenze. À l'estihia, Omar radiallahu anhu dit, qui Omar radiallahu anhu dit, moi j'ai dit qui Omar dit. Omar radiallahu anhu dit, wadi'uhu, wadi'a, yedaha, ala wajhiha, mustatira. Omar radiallahu anhu, quand il explique estihia, Omar radiallahu anhu, quand il explique sa mot qu'il est morcé avec la honte là, qu'il est couvert sur figure. Dans l'autre riwayat, Omar radiallahu anhu, qu'il dit Lam takun salfa'an minan nisa, kharraja wallaja.
dire kharaja wallaja ki Moussa li bero dié ki kan une sortie li pa fait une façon mais tout du monde pour vous virer gété là et parfois en avanceur dans dilbab et façon que se met de dilbab aussi zot ena sa caractéristique tout du monde vous avez gété là pena sa hishmana là dedans pena sa haya là dedans. Et parfois, capable d'arriver que tout un sûr, il pas de mettre jilbab, seulement il habille respectueusement, quand il n'y a pas attirer aucune vue sur lui. Alors, Inch'Allah, semaine prochaine, Inch'Allah, nous pouvons continuer à partir là, quand il finit, dire qui il n'a habille, mon papa, il y a de rouka, puis appelle-toi, il y a des ziyaka ajrama saqaitanana, afin qu'il récompense-toi pour ça, de l'eau qui te finit de nouveaux animaux là. Inch'Allah, semaine prochaine, bi'idin Allah Azza wa Jal, nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous et qu'il y a la guidement de nos bonnes décisions. Une décision, on n'est pas trop facile, ça, 22 ans, dans l'Arabie, moi. Tous nos enfants, ils sont nés dans l'Arabie. Un imène, 21 ans, ils sont nés dans l'Arabie. Il y a un petit miracle là-dedans, quand nous sommes mariés, 4 ans, nous partons dans nos enfants. Mais seulement, la nuit de mariage, nous faisons droit que, oh Allah, deux de nos enfants, nous l'attirent l'islam. Allah, il a accepté sa doigt là, et 4 ans, nous partons dans nos enfants de Maurice. Nous venons de l'Arabie, même l'année que nous venons de l'Arabie, Ayman est né dans l'Arabie. Alors, après lui, 7 enfants, nous avons 8 enfants. Il y a une décision pas facile, mais il est presque défait. Moi, je finis par une décision pour retourner, c'est marrant. Nous pas encore finalement, quand je dis oui, je peux retourner, je ne pas encore capable de dire ça. Je ne pas capable de dire ça, ni mon lacas, que mon amant, je ne pas encore dire ça. Mais je peux retourner, Inch'Allah, Azza wa Jal. Je demande à Allah qui les guide dans sa décision. Là. Et parmi les raisons principales qui font nous bien retourner, nous avons besoin de quitter Madina mon envoi pour retourner. Qui fait? Parce qu'il fait, il a pour payer 50 000 rials comme taxe, dépend d'une taxe que l'Arabie mettait, le Manjimoun. C'est-à-dire à peu près 400 rials par la tête, par mois. Quand nous, on est à 9, il fait à peu près 50 000 rials pour nous renouveler nos PMI, pour nous capables de continuer à rester. Alors, mon papa trouve qu'il a besoin d'une 50 000 rials par an en Arabie pour rester en Arabie. Côte partie à sa casse. Alors, ça, c'est raison principale. Par contre, restaurant, même qu'il n'y a pas de faire le succès voulu, mais il n'y a pas de problème pour nous retourner Maurice à cause restaurant, non, les amis. Mais c'est à cause sa taxe, je ne peux pas conceptionnellement aussi, je ne peux pas accepter, et capacité aussi, pas pour capable payer sa casse. Alors, là, nous prenons une décision pour nous retourner. Bon, nous sommes dans la procédure, nous presque éliminé la procédure qui nous prend tant de travail. Bon, presque décision finale qui nous peut retourner, Inch'Allah. Mais une ben, procédure assez compliquée. Pas connu combien de temps il faut prendre. Une procédure, beaucoup de procédures pour faire. Alors, nous demandons à Allah, qui nous demande à Allah beaucoup d'en finir festihara, que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous dans nos bonnes décisions. Et que Allah subhanahu wa ta'ala serve nous pour ce dîme. Elle n'est pas de continuité. Il serve nous pour ce dîme. Allah serve nous pour ce dîme. Qui nous lève parole à Allah, n'est pas de continuité. En bas, n'est pas de qui les ciels, là où n'est pas de qui la terre. Et que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nous manquer. Pour moi, il y a un ayat Coran qui est assez dangereux. Moi, un pépère qui, par exemple, à Madina, il pousse man malpropreté. Je dis à Allah, capable de nous malpropre. Alors, tu peux pousser nous depuis Madina. Je demande à Allah qu'il pardonne nous. Il y a un ayat Coran encore concernant Hijra. Parce que, mon frère, ma soeur, je ne connais pas si je te connais, que moi, quand je suis quitté Maurice en 1998, je suis quitté Maurice pour faire Hijra. Je ne suis pas travail dans l'Arabie. Je suis venu à cause Sharia, à cause pour rester dans un pays côté Nadine. Finalement, aujourd'hui, ça m'a quelque chose là, des appels dissoudre. Ça m'a une base fondamentale de l'Arabie Saoudite là, des années finies dissoudre, qui peut dissoudre de plus en plus. Et surtout, c'est un gros limite taxe, mais pas capable. Alors, moi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, dua, qu'il guide nous dans ma décision, comme à Ashabi Kahaf, Rabbana Atina, Miladun Karahma, ou Hayi Lana, Min Amrina Rashida. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, d'ici avec nous pour renforcer le travail qui va nous faire, puis des affaires. Man qui finit faire, qu'Allah s'est venu pour coopérer et de faire nous venir une source que nous ouvre la peau du bien pour Man Moussanman et pour l'humanité en entier et de pas faire nous venir la clé de char de djito pour Insan et pour Man Moussanman et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide nous, Inch'Allah, semaine prochaine, nous pour cause quand Moussa alayhi salam, il finit zouen, Man tefsir, c'est Shu'aib alayhi salam, papa de sa détifila, qui dialogue, indégoulé, Inch'Allah, semaine prochaine. Masine qui. Mon papa fait tafsir sa man ayat là. Mon papa explique ayat Coran là. Ensuite, nous pouvons tirer une leçon de sa man ayat Coran là. Ça qui nous, sa leçon là, c'est durus mustafada, durus akadiyya wa manhajiyya al mustafada min hadhihi al ayat. Ça veut dire qu'il nous peut apprendre une leçon
et qui nous tirait dans ben, les leçons de Tariqa et ben, les leçons de Aqida qui nous tirait depuis l'histoire de Moussa alayhi salam et jusqu'à quand nous arrivons à Sierra, Inch'Allah. Nous demandons à Allah d'Aki, Allah pardonne nous. Subhanakallahu alhamdika, shiru la ilaha ilan d'astaghfiruka wa atubu ilayk. Et fait un débat, chacun parmi eux, choisir 10 timoun, faites-vous subscribe au YouTube channel, il est très important, il est très important parce que, Inch'Allah, pour qu'ils aient ban musulman qui a bénéficié, et chacun parmi nous, devine une source de guidance pour les autres timoun, Inch'Allah. Et ce qui est du bien de nous, et ce qui est réel, de nous et Shaitan, ce qui est du bien, il sortit de côté Allah, ben, quelque chose qui n'est pas bon et erreur, il sortit depuis nous et de Shaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.